Et l'objectif visé par ce point de presse ce matin par la plateforme. Nous avons organisé ce point de presse ce matin pour informer les Togolais, les consommateurs, de toute la population togolaise à Institut ce jeudi, vendredi, devant la primature, c'est-à-dire ici à la caisse, à site de la caisse. Nous avons adressé un courrier depuis le 28 juillet dernier au président de la République l'interpellant sur la problématique de la vie chère. Et vous n'êtes pas sans savoir que la vie chère touche plusieurs secteurs. Mais malheureusement, le chef de l'État n'a pas répondu à notre interpellation. Et nous sommes dit qu'il faut que nous puissions manifester autrement. Si vous passez par le protocole le plus habituel et on ne vous entend pas, apparemment c'est comme les oreilles sont sourdes, il faut peut-être les nettoyer pour qu'on puisse vous écouter. Donc pour nous, il faut que nous puissions manifester et dire à l'autorité que, compte tenu du respect que nous leur devons, mais la loi nous donne certains droits, parce que nous, les devoirs, les consommateurs, respectent toujours les devoirs, ils les accomplissent tous les jours, parce que lorsque nous achetons, nous payons. Si on ne paie pas, on est devant des tribunaux. Donc malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous sommes dit qu'il faut que nous manifestions pour dire à l'autorité qu'il faut désormais penser, repenser le lieu social au Togo. Parce que si on ne repense pas le lieu social au Togo, nous risquons de voir déborder nos morgues. Parce que tous les jours, les gens meurent à cause de faim, mais on ne sait pas que les gens sont en train de mourir de faim. Donc il faut que nous puissions nous manifester publiquement devant l'autorité. On a choisi la primature, ce n'est pas pour rien, parce que c'est le chef du gouvernement. Et c'est lui qui est là pour faire la politique du président de la République. Et donc si c'est lui qui va décider de comment les choses vont se passer, on est conscient aussi que c'est lui qui aurait décidé qu'on augmente les prix des produits pétroliers à la pompe. La dernière augmentation en date du 21 juillet dernier, où ils l'ont fait nuitamment. Et nous pensons que ce comportement aussi est à proscrire et il n'est pas bien sain qu'on puisse continuer à agir ainsi devant un peuple apaisé, un peuple qui veut toujours la paix. Le CITIG aurait été refusé par la mairie de Lomé. Alors, quelle procédure comptez-vous adopter pour aller à l'encontre de ce refus à la mairie de ce CITIG à Lomé? La loi de 2011, la loi 010-2011 relative à la liberté de manifestation, elle est claire. Et le maire ne peut pas interdire une manifestation sans donner une raison valable. Et pour lui, dans le courrier qu'il nous a adressé le 13 passé, il disait que la primature est un endroit où il y a beaucoup de concentration des institutions nationales et internationales. Et, mais nous voudrons à travers ce point de presse lui dire que les États-Unis, devant les institutions onusiennes, on manifeste. Et alors malheureusement que ce sont des grandes villes où il y a forte concentration d'institutions internationales. Donc on ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il y a une représentation de l'Union européenne et près de la primature, qu'il y a l'ambassade du Brésil près de la primature, il y a certaines institutions près de la primature, qu'on nous dise que c'est un lieu de concentration. Et par conséquent, il faut ignorer les revendications sociales du peuple. Donc nous, cette interdiction, on ne l'attend pas, on ne croit pas que c'est une interdiction valable, parce que la loi nous dit que le maire n'a pas le droit d'interdire sans donner une raison valable. Et qu'à preuve du contraire, nous si on nous dit aujourd'hui qu'à partir de la nuit, à partir de demain, à partir d'aujourd'hui à minuit, les prix vont revenir à la normale et que des discussions valables, sérieuses seront engagées, nous, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'on est en train de constater qu'ils sont en train de répondre à nos revendications. Au cas contraire, nous serons là pour manifester. C'est-à-dire que c'est ce que le droit nous réserve, qu'on est obligé de respecter le droit. L'indifférence est souvent la réponse que la population togolaise donne par rapport aux appels des mouvements de la société civile. Quelles sont les mesures que vous prenez pour que cette manifestation ne soit pas un échec? Nous ne pensons pas que cette manifestation sera un échec. Le peuple est indifférent, mais malheureusement, c'est le même peuple qui nous interpelle tous les jours sur les médias. Et donc, nous croyons que cette fois-ci, le peuple sera de notre côté. Et que ceux de les 20 et 21, à partir de 9h, devant la primature, nous ferons de notre mieux pour pouvoir gagner la bataille. C'est vrai qu'on ne peut pas gagner la bataille d'un jour à l'autre tel que nous le souhaitons. Mais lorsque nous commençons à sentir que l'autorité peut revenir sur cette décision, on pourrait aussi continuer les réflexions. Mais au cas contraire, nous disons que nous sommes rassurés que le peuple sera là, les 20 et les 21, à nos côtés,
pour nous soutenir. Au cas contraire, les associations de consommateurs, nous sommes là. Les syndicats, sauf certains qui ont choisi le camp de se taire. Donc nous n'avons rien à leur dire, mais c'est leur droit. Mais nous pensons, nous informons le peuple togolais que désormais, ils doivent savoir que tout est clair, que ce n'est pas ceux qui les appellent voter pour moi, qui les soutiennent, qui veulent leur bien. Peut-être nous qui sommes leur porte-parole, qui crions tous les jours sur vos médias, qui faisons de notre mieux, qui sommes disposés à ce que les choses puissent aller de l'avant. Donc il faut que ce peuple se rapproche de nous, il faut que ce peuple nous soutienne. Parce que si le peuple ne nous soutient pas, on ne peut pas réussir, on ne peut pas organiser et être à la fois le peuple, être à la fois la foule et être à la fois ceux qui vont manifester. Donc, et malheureusement pour nous, cette manifestation, c'est une manifestation pacifique, un sitting. Nous ne ferons aucun bruit. Donc, il y a des raisons que les gens sortent pour nous soutenir les 20 et les 21. Contre les revendications déjà connues que vous revendiquiez ou bien vous défendiez déjà, y a-t-il de nouvelles revendications qui rentreront en jeu? Si. Mais nous pensons que c'est les 20 et 21 sont uniquement laissés pour la vie chère en général et particulièrement les prix des produits pétroliers à la pompe. Parce que les prix des produits pétroliers à la pompe sont la base de toute évolution de la vie chère. Si aujourd'hui on réduit les prix des produits pétroliers à la pompe, vous remarquerez que les frais de transport, que les gens peuvent aller valablement dans leur village parce qu'ils achèteront facilement moins cher le carburant, le super sans prendre le gaz, ainsi de suite, pour aller dans leur localité. Mais si on maintient le prix, il y aura beaucoup de choses. En dehors du secteur du pétrolier, nous pensons aussi toucher le secteur de l'énergie. Les frais de coupure de la T2 qui dépassent déjà les consommations mensuelles de certains ménages. Vous pensez que c'est dommage, on a le décret, mais nous pensons que ce décret, on doit l'attaquer, on doit manifester très prochainement. Le problème de contour global qui est à la base de tous les problèmes de la CIT aujourd'hui, et le problème du maïs un peu partout où l'ANSAD nous avait dit qu'elle a versé sur le marché son stock et que le problème, le Togo n'a aucun problème de pénurie de maïs. Actuellement, le maïs est en train de remonter. Même lorsqu'ils avaient fait sortir leur stock, leur prétendu stock, c'était toujours à 600 francs. Aujourd'hui, les prix sont en train d'évoluer aussi et on entend un peu partout que les prix vont jusqu'à 800, 900 par endroit. Et je voudrais vous prophétiser, si on ne sait pas faire, nous risquons d'enregistrer la famille aujourd'hui, cette année au Togo. Parce qu'il y a l'environnement, le climat qui est de ce côté, il y a l'indifférence et le mépris de l'autorité qui est de ce côté. Lorsqu'on les a su tous deux, les Togolais risqueront de mourir de faim les prochains mois et les prochaines périodes.